Je vais appeler le réfé. Et voilà. Ouais, réfé. Je suis pas le réfé, Oh, pardon. ouais, non. Je t'ai envoyé la position là. Ouais, j'y suis là. Ah, tu y es là? Ici. Ok, vas-y. À toute. Putain, avec vos embrouilles de merde, j'ai oublié de retirer les 1 000 $. Eh, vous pouvez arrêter s'il vous plaît de parler Je d'histoire d'hier ou serai. pas? Non, mais bref, C'est moi, possible ou bref. pas? Hors de l'histoire d'hier. On va tirer 1 000 $? Moi, je t'en veux par Eh, rapport à ce qui s'est passé Sam, derrière la Santana maison. et Gandalf. Ok, ce que vous allez faire, c'est que dès. Après, vous allez partir vous deux dans Mon une primo, vous allez vous expliquer, ok? sus. C'est bon? Ouais, mais je sais pas, Allez. il me dit, il m'en fait tout, je sais pas quoi. Mon sus, t'as les 1 000 $, mon sus? Non, j'ai. Vous allez chercher? Oh, Qu'est-ce restez qu'il là, a, ça? restez là, restez là. Regardez ce qu'on va faire. Bon, vas-y, on y va. Ah là, je suis pas content, sa mère. Hein. Oh, le Poyos, là, tu vas à droite. Droite, le Poyos. Droit, allez, tout derrière. Réfé, il y a une erreur. Vous avez pas été respectable avec moi. On peut pas assister avec lui? C'est moi qui Vous parle, allez pas c'est le moi qui tuer? parle. Tout derrière, 2 secondes, allez, tout derrière. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Oh, la chica, la chica. On paye, on paye. Eh non, Oh, non! Là-bas. Eh mec, s'il te Fais-le, plaît! fais-le! Eh, tu fais quoi? Fermez-la, fermez-la, Tu vous fais quoi avec le comprenez bidon ça? des. Je te donne 2 000 dollars. Je te donne 10 000. Oh, fermez-la, s'il vous plaît. Allez, tout au fond de la vitre là-bas. Tu vas pas casser la vie? Dermano, je suis désolé, mais c'est votre poyos là, il me prend pour un con. Non, comme ça, tu payes pas. Mais comment ça, je paye pas? Qu'est-ce que vous. J'ai pas fermé là. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, messieurs? Mais monsieur! Bougez pas, vous avez pas intérêt à bouger, comme ça vous êtes au courant. Oh! Ferme-la, sinon je tire dessus directement, ça va être rapide. Je préfère sauter que me faire brûler. Alors, écoutez-moi bien. Arrêtez! Eh, ah, hey, eh, hey, Le Paco! poyos. Moustique! Je sais pas c'est qui! Poyos. Arrête, 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 arrête! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute-moi, si j'ai pas une réponse, le temps que le feu il va là-bas, tes hermanos ils sont morts. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es complètement Elle est où malade! ma plata? Non, 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 Écoute, non, hey, non, je non, non, t'explique, laisse je le plus t'explique, calme je t'explique, je t'explique. Comme je t'ai dit, je viens d'intégrer le LSPD, j'ai pas encore les moyens d'assumer 20 000 $. Ensuite, Et qu'est-ce on qui va s'est les passé? chrones, Écoute, écoute-moi si, bien, si, je on vais te va les les trouver, je vais te chrones. les trouver, juste Ils la sont prime, c'est où, dimanche. ma plata? Je vais te les Tu m'as donner, pris là, pour je vais un aller, petit, je vais j'ai aller aidé, j'ai rigolé avec toi, tu m'as pris pour un petit, toi. Je vais aller Ça, le mec avec les je vais aller te les retirer, ton argent. Ok? Je vais aller te les retirer tout de suite. Attends, Y a vas-y, va. aucune galère, Va, mais juste. t'attends. Oh putain. Allez, va, t'attends. Il te manque combien déjà? Écoute, justement, c'est pour ça que je voulais vous parler. En fait, Ah, Santana, elle vous a proposé 3 000 $. Et moi, je vous ai dit que je vous donnais le double de Santana. Donc, c'est 6 000 $. Attends, 3 fois 2, ça fait 20 000. Quoi? Écoutez, les Eh, bons Paco, comptes on est font les bons d'accord, amis. 3 fois 2, ça fait 20 000. Les bons Clairement comptes. 20 000. Les bons comptes font les bons amis. Je vous ai donné 5 000 dollars. C'est toutes mes économies Et dans mon compte clairement, maintenant, bancaire. c'est mon nom tranquille. Seigneur, 3 fois 2, ça fait combien, Seigneur? 3 fois 2? Si, ça fait combien? 6. Ça fait 6 000, non? Ok, 3 Non, fois non, 2, non, ça non, fait combien? non, non, c'est bon, 20 000, 20 000, 20 000, 20 000, Ah c'est la bon, grâce, 20 000. Seigneur, allez, va. Il manque 15 000. 3 secondes, hein. Attends, on est d'accord qu'il avait déjà accepté pour 20 000, on est d'accord. Oh, attends, 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 attends. Dites-moi. Moi, je suis fou, moi. Paco, Paco, va avec lui voir s'il appelle pas les polios ou un truc c'est comme vrai ça. que c'est vrai que t'es risqué. C'est lui, donc. Moi, je Allez, suis bon, fou, moi. Vas-y, va, dégage. La honte sur ta nage. Messieurs, messieurs, vous êtes en train de faire une grave erreur. Avec des bandits. Même en travaillant, même en travaillant un. C'est bon, j'y vais. Attends, 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 attends. Messieurs, je viens d'intégrer le LSPD, je vous ai donné toutes mes économies. J'avais 6 000 dollars, je vais donner 5 000. T'as quoi à proposer? Écoutez, mais la plata, tu l'as pas là? J'ai un peu d'argent dans mon compte, mais attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire ça de suite. Les 20 000, j'ai peur de pas les avoir. Peut-être me laisser un peu plus de temps. Là, dans mon compte bancaire, il me reste 5 000 dollars. Et c'est tout. Et quand je te dis va chercher la plata, tu vas où en fait? Ben je vais retirer tout ce qui me reste, mes 5 000, après j'aurai plus une thune. Ouais, c'est Mais au moins j'aurai sauvé mes amis. Bon, pas quoi. Attends, faut qu'on discute maintenant parce que. On va discuter, va avec tes amis, va. Va Ok. avec tes Je suis énervé, sa mère, je suis énervé, il m'a pris pour une putain. Mais... Oh putain. Non mais moi je vous ai dit, c'est pour ça que je vous ai dit, je vous donne 1 000 et ça fera le double de Le Santana. premier qui bouge, je vous jure qu'on rafale d'ici. Les mecs, vous allez bien? Eh, je vous promets, je fais tout mon possible pour vous sortir de là, ok les mecs? Mais t'auras pas 20 000. Kyle, écoute-moi bien, je vais dire un truc. Quoi? Et je suis Dans en train de donner là, tout mon oseille là. Tout mon compte bancaire, je vais tout vider pour vous sauver les sous. Ok, Mais restez avec moi. J'ai de l'argent, moi, j'ai de l'argent. Si, j'ai 5 000, ça fera 10 000 au total, je vais déjà donner 5 000. Vous inquiétez pas. Si je fais c'est pipi, quoi, c'est un crâne. Mets-toi sur le dos. Dégage, dégage, sur le tu m'énerves là. Ah, sur le dos, sur le dos. Comment ça, sur le dos? Par terre, sur le dos. Mets-toi au sol, pour pouvoir sur le dos. Sol, sur le okay, dos, par terre. Mais pourquoi, monsieur? Ok. Et toi, tu vas boire un peu, tu vas boire. Quoi? Comment ça? Non, non, non. C'est toxique. C'est toxique. Écoutez, quoi, c'est pas bon pour la santé. Il m'envoie les chrones.
Et toi, dos au sol. Voilà. Non, non, non. Écoutez, écoutez, il vous faut combien? Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. 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 Voilà. S'il vous plaît. Taisez-vous. Taisez-vous. S'il vous plaît. Ferme la bouche, Kyle. Ferme la bouche. Grâce. Fermez-la. C'est bon, arrête, arrête, arrête. Arrête. Kyle. Bref, attends, viens, on c'est comme ça qu'il va prendre l'argent, il va mourir. Tiens. Kyle. Monsous. Monsous. Kyle. Monsous. J'appelle les UMS. Ils vont pas partir là. C'est passé. Mon souci. Et arrêtez, elle est de là. Les gars, ça fait quoi quand on boit de l'essence, les règles? Je vais te faire du bouche à bouche. Mais non, tu vas prendre l'alcool, tu vas prendre de respiration. Je viens de boire de l'essence, espèce de débile. Je vais faire du bouche à bouche pour respirer. Pour respirer le 198 et le recracher. Je pense que c'est une crosse. Mais non. Mais non, fais pas ça, espèce de débile. Oh, mais putain, tu fais quoi? Je suis en train d'aspirer le 198. T'as parlé quoi, mais tu veux mourir? Mais aspire pas le sang! Fais-lui boire de l'eau! Fais-lui boire de l'eau! Si je lui pisse dessus comme s'il s'est fait piquer par Emilio, c'est mais n'importe quoi! Fais-lui boire de l'eau! Attendez, j'ai une question! Est-ce que tu peux me dire ça a quel goût? Oh, Paco, 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 va chercher le cocktail Molotov! Quoi? Non, 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 non! Arrêtez! Vas-y, vas-y, vas-y! Remettez-vous en ligne! Oh, oh, seigneur! Oh, ça y est, t'as fermé la boca! Tu sais, t'es là, tu fais du cinéma! Viens de boire de l'essence! C'est du sans-plomb 98 quand même. Enfin, quand même. Ah ouais, c'est vrai. Il avait fermé la bouche. Tiens, prends ça. J'avais la bouche ouverte, moi. Je croyais qu'il fallait que je boive. Faites-le vomir. Moi, ce que je veux, c'est que je veux ma plata. On fait comment maintenant? Tiens, bois de l'eau. C'est de la boisson énergisante. C'est du. C'est pas que je vous aime pas, mais vous parlez tout ça en même temps, je comprends rien. Moi, je veux ma plata. Taisez-vous. Laissez-moi. Oh merde. Tiens, bah, ça t'en a beaucoup. Fais-moi vomir. Mais tes doigts dans ta boca et tu vomis, c'est tout. Je te rentre tes doigts dans le. Les gars, c'est quoi l'anime pour vomir? Vas-y. Je crame qui? Je fais quoi là? Fais rien. Non. Regarde. Écoute, Sam, tais-toi. Occupe-toi de Kyle. Occupe-toi de Kyle. Tais-toi, c'est moi qui parle. Viens, Kyle. Regarde-moi. Il met. Tiens, instant. J'arrive pas à me. Je touche ta glande du fond de la gorge là avec. Je vais t'expliquer quelque chose. C'est bon. Ah, tu m'as vomi sur la main. Kyle. Chut. Arrêtez de parler, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Ouais, il parle trop, tes potes. Ouais, écoute, hier il s'est passé quelque chose, moi j'ai proposé 3000. Ok, à partir de ce moment-là, les affaires elles ont été faites et tout, il n'y a pas de problème avec ça. Que Kyle il t'a proposé le double. Ça faisait 6000 vu que j'ai proposé 3000. Pourquoi actuellement vous voulez 20 000? Je suis pas bon en mathématiques, señora, et parce que c'est un poyos. Ok, c'est un poyos, mais tu penses vraiment que si ça serait vraiment une salope, ou qu'il vous aurait trahi, ou je ne sais quoi, ou il vous l'aurait mis à l'envers, tu penses vraiment qu'il t'aurait appelé tout pour te demander de l'aide ou quoi? C'est pas d'accord. Un bâtard, hein. C'est pas un bâtard. Vas-y, ramène-moi 1000. Ok. Les Mara, si je peux vous dire un dernier truc, vous savez comment on différencie un riche et un radin? Et comment? Un riche radin et un pauvre généreux. C'est que le riche radin, il pourra te donner 10 000 dollars. Si dans son compte bancaire il a 1 million, ça sera rien pour lui. Le pauvre généreux, il aura dans son compte bancaire 10 000 dollars et il va vous donner 6 000 tout de suite. Et il est devant vous. Il a putain. Pardon, je me suis un peu enflammé. Je me suis un peu enflammé, désolé. Je vais prendre 2 000, je crois. Combien? 2 000? Mais pourquoi? Attends. En fait, je parlais, je me tape en même temps dans le torse, ça fait. Pardon. C'est pas possible. Vas-y, vous avez dit le. Toujours le mot trop, putain. Vous savez très bien. Vas-y, 1000 pesos, vous allez tranquille. Ouh. Pourquoi ta gueule là. Vraiment con. Je crois le sans-plomb 98, ça m'a fait bourrer la tête. Prends pour une centime. Je vais pas boire. J'aurais dû faire semblant et cracher après, t'es bête. Ah non, mais je voulais trop goûter le goût de l'essence. Parce que depuis que je suis petit, je vais dans les stations et ça sent grave bon le gasoil, tu vois. C'est vrai que ça sent bon. D'accord. Et là, je me suis dit, bon, écoute, c'est l'occasion de rêver. Hein. Je me suis dit, j'avais la pression et tout. Je me suis dit, allez hop, ouvre grand la bouche et avale direct.
C'est bizarre ce que je viens de dire. C'est vrai que t'es bizarre. Oh, c'est chelou, hein. Et du coup, bah franchement, la vérité, c'était... C'est... Au début, c'était bon, et à la fin, hey, j'avais envie de vomir. Oh, j'ai... Hey, j'ai... Au début, le premier goût, ouais, c'était pas mal. Mais après, hey, direct, là, j'en peux vraiment. Vraiment, là, j'avais une envie de vomir. Tu peux mettre un ATM, s'il te plaît? Je t'ai mis, déjà mis sur le GPS. Ah ouais, bah franchement, là, quand c'est pour aller me faire voler mon oseille, hein. Service du sur 10, là. Alors là, je suis désolé, mais c'est... Tu vas pas m'ouvrir la porte par hasard aussi. Ah, là, quand c'est pour retirer, là, quand c'est pour retirer, franchement, le service, il est top, hein. J'ai même tapé le code, si tu veux. Ah ouais, c'est super gentil, hein. Attends, bah du coup, je descends. Tiens, bah vas-y, descends, ouvre-moi la porte, hein, je t'en prie. Descends, toi, dans le premier, tu crois que tu es un débutant. Quoi? Descends en premier. Mais non, mais comment tu vas faire pour m'ouvrir la porte? Bon, c'est pas grave. Je m'ouvre. Là, tu peux vraiment prendre le compte, désolé. Je m'ouvre moi-même la porte. On doit tout faire soi-même. Non, des caméras à l'intérieur. Le masque. Pas directement à l'intérieur. Ah, je retire déjà. Mais range ton gun, range ton gun. T'inquiète pas, je suis masqué. Pierre, on verra quoi, une minute trente. Assez, non. Voilà. Je vais donner un retrait de 5000. Ah ouais, putain. C'est... Putain, toute mon oseille, elle a parti dans des scènes, frère. Toute mon oseille, elle est partie pour des scènes RP. Ok, viens, on remonte dans la gove. Donne-lui 999. Oh, j'ai une question pour toi. Eh, tu donnerais un dollar pour les enfants pour les enfants en difficulté ou pas? À une assos? Quitte à faire un geste pour compenser le fait que tu voles 6000? Ou pas du tout? On a demandé 1000 pesos. Ouais, ouais. Bah, tu donnes un dollar. Tu veux un pesos? Tu donnes un dollar pour les assos? Non, ça... Merci. Arrête de faire le crevard. Quoi? Bah, c'est ce qu'ils demandent. C'est ce qu'ils disent tous, hein, pour. Tu sais, quand tu payes ton McDo par exemple, ils te disent voulez-vous rajouter un peu pour. Tu vois, et bam, tu fais un petit geste humanitaire. Tu le fais, toi, le geste humanitaire? Franchement, la vérité? Arrête de mentir, personne ne le fait. Au McDo, non. Au McDo, non, j'avoue, je le fais pas. Mais pour les restes, quand je peux donner à des assos ou quand je peux donner ou quand il y a des causes, je donne avec le cœur. Réfléchis, c'est en bas. Oh putain, ils sont passés où? C'est en bas, réfléchis un peu. Ok, on va prendre un raccourci, accroche-toi. Vas-y, recule avant que je te tire dessus. Eh bah alors. Ouais, c'est normal, c'est tout trempé dans le siège. Non, j'ai pas eu peur. Ah. Je suis un gangster, tu crois. Putain de merde. T'es mort. On va te matar, t'es mort. Toi, tu vas voir, toi, ce que je veux dire. Ah, c'est bon, je plaisante. Tu vas encore goûter le 100.98, toi? Non, c'est bon, j'arrête. T'as pas assez goûté, je crois. Il a crié. C'est bon, tiens l'oseille. Donne à mon grand D, moi je suis. Grand D? Oh, c'est quoi, les gars? Qu'est-ce qu'il fait? Eh, oh putain, j'ai trébuché, tu m'as fait une balayette. Eh, laisse Santana tranquille. Écoute, c'est bon, j'ai l'argent. Il fait rien, calme-toi. Tu voulais me parler, j'ai rien. Ah, putain. Allez là-bas, Paco, va. Parce que tiens, là, tiens l'oseille, il m'a dit de la donner au Grand D. Donne à moi. C'est bon, on est quitte maintenant. Par contre, c'est le service, il est cher. Hein. Franchement, je vous le dis. Prochaine fois. Il était propre ou pas, le service? Après, le service, il était très très propre, hein, vraiment. Service de qualité. Service de qualité. J'avoue. Mais c'était un peu cher. Ouais, va là-bas, va là-bas. Ok. Va jouer, va. C'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est absent. Qui est absent? 36. Ah, je connais pas. Ouais, moi non plus. Bien. Ah, c'est fréquence à posture, attendez. Ce qui va se passer dans cette petite formation, c'est formation conduite ce soir, d'accord? Ouais. Donc, devant vous, vous avez un circuit. Ok. Et ce circuit, c'est sur la terre. Ce qu'il y a, c'est que les cruisers, elles glissent énormément sur la terre. Let's go, les gars, je vais carry. Je vais faire le meilleur score. Aussi, je vous préviens, les gars, spoiler, je vais faire le meilleur chrono. Merci, Brian, pour le 15ème mois. Le but. 63 abonnements offerts. Le but, c'est de faire un meilleur score. Merci, les gars, pour tous les subs offerts lors de cette session. Merci beaucoup. Sachez que si vous touchez. Prends, tu vexé parce qu'il y a eu plus d'abonnements offerts, enfin plus d'abonnements total aujourd'hui. La est égale à 5 secondes. Attendez. Ok. Ok. Excuse-moi, capitaine, une pédale, si on sort du truc, c'est 5 secondes, c'est ça? Non, c'est si vous touchez. Vous touchez un poteau,
Vous pouvez sortir, okay. Hein, y a pas de. Voilà. Ok, 5 secondes. Vous respectez le parcours. Je me tais. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Si on sort ouais. du circuit, c'est élimination en direct. Non, y a pas. Non, y a pas d'élimination. C'est... Voilà, okay. C'est si vous touchez. Après, okay. Si vous juste partez à Paléto, oui, c'est sûr, vous aurez moins 5 secondes. Quoi? Vous libérez? Mais non. J'ai eu peur. Bon, 95, faites-moi le plaisir. Allez dans la voiture, moi j'ai votre boudin. Qui veut commencer? Okay. Moi, je veux bien. Ouais, moi je veux bien regarder 08 commencer. Allez, 08, en voiture. Voilà, j'ai l'erreur que je viens de dire. Oui. Ah ouais, non, du coup, regarde. Vous vous attendez là. Vous pouvez vous mettre sur la petite hutte à côté, là où il y a le drapeau. Où ça? À la ma hutte. Droite, là. À la petite bosse. Ok, let's 15, go. Vous pouvez redescendre, ouais. Ok, let's go les gars. Il faut essayer d'en. En gros, là, je t'explique pourquoi faut jamais passer premier. Parce que, en fait, quand t'es premier, le premier il va découvrir. Tu vois, les gars ? Nous, on va pouvoir analyser. Ça va, nickel ? Oui, c'est ça. Mon commandant, si je fais top 1, qu'est-ce que vous m'offrez, mon commandant ? Allez, dis-moi ta nièce. Tu me bats, franchement, je te mets officier indirect. C'est pas vrai ? Ouh ! Tu vas avoir du mal à me battre. Hein. Officier indirect ? Bon courage. Officier indirect ? Ok, attendez. Mettez-moi la ligne déjà. Il y aura plus de okay. C'est bon. Et donc, Anderson, vous partez au top du commandant, d'accord? C'est bien pris. Mettez-vous bien sur la ligne, parfait. 3, 2, 1. J'ai pas dit top. Oh merde, attendez, parce que j'ai pas mis ma ceinture, c'est pour ça. En fait, je voulais mettre ma ceinture, au lieu de mettre ma ceinture, bah j'ai appuyé sur l'accélérateur. Le con. Allez, top. What? Ah bah oui, on n'a jamais. Bon, oh non, les gars, inclure. Une pénalité, 5 secondes. Hein. Voilà, donc autant dire que déjà t'auras pas aussi bien que moi. Mais pourquoi? Vous avez touché pénalité, là. C'est impossible, tu rattrapes mon score. Ah ouais, moi j'ai pas touché. Oh. Ok, Brandao. Mais les gars, ça glisse de ouf, gros. Comment c'est possible? C'est normal, ça glisse autant? Bah, mais c'est oui, on a pas les pneus pour. Ok, les gars, j'ai fait du Velocity Drift Server. Oh putain. Oh putain. Oh, oh maman. Oh ça coûte une, hein. Ça va, rien de cassé? Oui. Non mais vraiment là j'ai l'impression que je fais de la luge. Oui mais c'est le but, ça glisse beaucoup, c'est normal. Mais what the fuck. Ok, écoutez moi mon commandant, mon capitaine, je ne parle plus, à tout à l'heure. Bisous. Allez, concentrez-vous. Je me concentre. A plus dans le bus. Ah ouais, allez-y. Je parle comme un vieux quoi. A plus en LAN. Mais s'il vous plaît mon commandant, j'arrive pas à me concentrer avec vos vannes. Là c'est à droite. Mais ça est à droite là. Tout en douceur. Allez, faut faire un bon score. Faut faire un bon score les gars. J'espère juste que je suis pas dernier parce que dans ma sélection on est 4. Si je suis dernier de ma sélection c'est chaud. Mais là. Un peu plus que 0-8. Ah oui, bah 0-8 on était arrivé à Noël. J'ai le droit de gruger ou non? Je dois faire le. Non, bah non. Ah non. Ok. On est 5 secondes sinon. Mais what? Ah bah oui, déjà que ça dérape, si vous dérapez encore plus. Les gars, ça dérape de ouf, hein, vraiment, aucune vanne. J'essaie de gruger un peu, de gagner du temps. Okay. Je vais aller chier dans les buissons, je reviens. Pourquoi pas? Comment tu veux te concentrer, frère? Prenez du PQ, pas des fougères. Merci. Rien de cassé? Ça en compte pas, ça. Là, je sais pas là, comment je pouvais longer, faire. Vous allez longer à droite, d'accord? Parce que vous allez passer entre les barrières, ok? Longer à droite. Non. Oh, le con! C'est pas grave, je vous enlèverai. 2-3 petites secondes. 5 secondes. Je vais où? Les barrières qui sont à droite. Là, vous d'accord, longez, hein. Je longe à droite. Longer à droite. Ouais. Putain, je suis trop con. Parfait. Punaise, je suis trop con, j'ai mal compris. Désolé, capitaine. Mais c'est pas grave, on vous enlèvera 3 secondes, je pense que c'est le temps qu'on a perdu. Oui. Non, 5 secondes, non, je dirais. Non, ok, c'est bon, va pour 3 secondes. Pas 15 secondes non plus. Ok, petit dérapage à la fin. Hop là. Allez, c'est quoi, je te compte pas cette touchette, voilà. Ça sera ton bonus. Si tu en place, s'il vous plaît. Mais cette touchette, elle m'a fait perdre 0,0101 secondes. Eh oui, mais normalement, ça m'a même. Ah, ok, bah allez, c'est bon, va. Va. Adjugé vendu. Capitaine, allez. Commandant, j'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes. Et que je vais pas vous décevoir. A tout à l'heure. Oui, on verra ça à la fin. La réponse après la pub, ça. Ouais, allez, les gars, Charles, là, je suis premier. FC Bonheur, ouais, c'est malheur. J'ai l'impression de vous corrompre, s'il vous plaît. Non. Bah, si, les gars. Y'a pas de super. Non, chenille. Non, y'a pas. Les gars, vous avez fait la prédit?
Ouais, la TTP. Ah, vraiment, ce record, j'arriverai pas à le chercher. Enfin, là, vraiment, j'ai l'impression d'être Sébastien Loeb. Ah, bah là, record. Hein. C'est dommage, les gars, dommage. La prochaine fois. Là, pour information, je viens de faire 2.33. Votre capitaine préféré vient de faire 2.37. Et vous, d'après vous, 95. Ouais, vous avez fait, vous. Moi, 2.40. Comme il est posté. 2.47. Oh, c'est long. 2.47. Mais 92, je l'ai pas noté. Ah. Quoi? Mais non. C'est une victoire par carreau. 92, je crois de mémoire que vous avez fait 2.57. Mais je suis plus sûr. Ah merde. Oh. Mais c'était bien, c'est important. Oh putain. 54, vous êtes à 3 minutes 0. Quoi? Pitié, je suis à moins. Pitié, je suis à moins. Pourquoi? Parce que vous avez touché. Du coup, vous avez pris 10 secondes de pénalité. C'est un choix, vous avez fait 2.50. Oh ouais. Ouais, putain, merde, je suis à 3. Et moi, capitaine, je suis à combien? Et toi, d'après toi? J'en sais rien. J'ai fait le pire time, les gars. Si je gagne, oh là là, les gars, je suis riche. Alors, c'est tu gagnes, effectivement, tu gagnes puisque tu es le premier des derniers. 3-0-3. 3-0-3, t'es le dernier. Tu es le premier des derniers. Sah, le premier, j'ai pas vraiment touché en Sah, la vérité. Le dernier, fait niquer, là. Normalement, je suis à 2.45. Oh la clé. Normalement, je suis à 2.45. Ah, la grosse moula, hein. Yes. Putain, normalement, je suis premier, j'ai le seum. Moins le fier là à 08. Hein. Putain. Littéralement, mais commandant, vous m'avez compté le premier là quand j'avais touché au virage? On a touché de compter 2 sur 3. Ouais, ouais, ok. Ouais, il m'en a compté. Bon, après, quoi qu'il arrive, j'en ai touché un. En dessous de 3 minutes, c'est bien, c'est un bon temps. Au-delà, c'est-à-dire qu'il y a du progrès à faire. Bon, vous êtes à 3-0-3, c'est pas non plus incroyablement loin. 08. Oui, vous êtes dans les temps. Et puis, vous avez fait 2-30. 50, c'est vraiment les pilotes. Donc, 95, c'est bien. Moi, je voulais être safe, comme on dit. Ouais, vous avez été un peu trop prudent. Non, mais les gars, j'ai eu 3 piles. On va aller vous tester sur une course pour Ah, ouais, mais j'aurais eu 2.55, je suis con. Ok. Oh, je sais pas calculer. Donc, on va aller au petit port. Avec être commandant et avoir une gonzesse, ça doit pas être facile. Hein. Ouais, ça, c'est plus la raison de la deuxième. Ah, ok, je vois. La première, il y a pas en raison. Dites-moi 08.54 là. Moi, perso, je soulève 64 kilos à la salle. Oui, dites-moi. Ouais. Moi, quelque chose me dit que tu vas pas te soulever que 64 kilos longtemps. Hein. Non, non, mais je dis ça parce que. Pourquoi mon commandant dit, la dernière fois, tu m'as dit que t'allais soulever Santana ou je sais pas quoi. Ouais. Ouais, mon commandant. Mon commandant. Les collègues. Non, et du coup, moi j'ai dit à 64 que. J'ai dit à 64 que. Bah pourquoi? Je veux dire, que t'allais faire du sport avec d'autres poids, quoi, d'autres haltères. Oui, mais ça la regarde pas, 64, c'est professionnel avec votre nièce, mon commandant. Mais je l'ai dit de façon un peu professionnelle. Ah, ouais, je vois. Non, bah, j'ai dit ma petite nièce chérie, c'est pas professionnel de dire ça. Ouais, je vois. Bah, non, mais du coup, ouais, Santana, c'est plus amical en réalité, elle m'a friendzone. Si vous voulez tout savoir. Ah, et du coup, vous rabattez sur 64. Non, avec pas du tout. Ma nièce, c'était un plan de secours. Oh putain. Mais capitaine, moi vraiment, avec votre nièce, c'est plus voilà. Professionnel, hein. Mon commandant, pardon. Ouais. Pourquoi prof? Vas-y, bois les trois, vas-y. Mais pourquoi? C'est de la granita, gros, t'inquiète. J'ai juste à dire ça, ouais. Bon, c'est des choses qui arrivent, 95. Ouais. Que des femmelettes dans ces canines, vous le dites. Bon, mettez-vous dans vos voitures. Hein. T'as mis les trois, c'est bon? Ouais, pourquoi? Ok, tranquille. Ok, vas-y, viens, monte. Là, je conduis ou tu conduis? Je conduis, t'inquiète. Je gère. Ok. J'ai madame, allume 95. Et c'est comme si vous partiez d'un 10-45. Attends. En fait, t'as fait quoi? Il y avait quoi? Des cocktails? Ça respecte, hein. Oh, c'est bien pris. C'est bien pris. Là, je commence à tanguer un peu là. Vous êtes prêts? Ouais, c'est bien pris. Allez, c'est parti. Let's go. Madame 54, le 10-45, t'as rendu 110, une primo bleu. Ouais, je suis grave bourré. Oh, sa mère. Mais tu sais rouler, non? Attendre les autres, bah ouais, mais bon, là, je suis... Raptas. Raptas. Je suis Raptas Tenda, comme ils disent en Europe. Demande un code 5 et après la madame arrive. Du coup, j'espère juste qu'on passe pas un test d'éthylo, je sais pas quoi. La dame 54, on a besoin de code 5, s'il vous plaît, sur cette position, sur des 10-20. 10-4, je peux faire 10 heures pour gros. J'ai oublié que j'étais à voyant. Ouais, ça m'a tiré autour des conteneurs, et je suis débloqué. Non, c'est bon. On est au niveau des conteneurs, toujours. À quel niveau de la ville? Mais je vais faire un code 5. Au niveau du port. Sale port. Vas-y, tu peux le dire, radio. Au niveau du port, sale port. On reste au niveau du port, on va direction le clé postal.
négatif. Ouais, les gars, c'est trop dur de conduire avec le truc qui tangue. On tourne tous les conteneurs, vous l'avez. La 10-4, on est là. Ça t'anticipe pas, t'es vraiment un... Oh, si 72 à tous, c'est vous qui avez fait le 10-20. Ah, si, c'est nous aussi. Oui, c'est nous aussi. 10-4. Je suis en fire, les gars, là. Alors que je suis bourré. Par contre, ouais, qu'on passe pas un test d'alcool, parce que sinon tu le réussis avec succès. Je te jure. J'ai mis la pression là. Là c'est bon, tu vas mieux ou pas? C'est toujours. Ouais, ça va un peu mieux. En vrai ça va les gars, ça dérange pas trop. Attends, je mets juste ma ceinture, j'ai oublié. Je crois qu'il y a un laxatif dedans, je suis pas sûr. Mais non. C'est normal, ça commence à monter tout à l'heure. Je crois. C'est le mec du Mac 4-7, je lui ai dit fais-moi ça parce que genre je lui ai acheté deux capotes plus un sac de course. Et je ramène moi de la granita avec un piège dedans. Il m'a dit vas-y je te mets un laxatif et de l'alcool. Oh, oh. 10-50 prenez la course poursuite. 10-50 de la dame des 54 prenez le relais. Fait mal à la tête. Vous allez bien. Affirmatif. On vous fait oh. Décolle dès que le moteur va dès qu'on va un peu mieux. À 10-4. Oh fuck. Putain de merde, des laxatifs là. Oh, oh fais chier, ça va rien de casser. Oh, t'es nul le level, le gars, j'étais trop fort pendant 10 minutes, je fais un petit accident, ça y est, je suis venu. Regarde, je sais, putain. Je vais mourir. Ça va, rien de cassé. On reprend. T'inquiète, pas de pas. Nico, à bord. Ils sont où les collègues là? En fait, moi je suis meilleur en anticipation après. Donc là, parfait. Et what? C'est de l'autre côté. What? Pourquoi il a fait du tout? Ouais, j'ai vu. L'individu est reparti vers l'entrée du port. Ah, on est là. Ok, d'accord. On vous relève les leads et reprenez-le. Attendez, on n'est pas prêt à la fin. Attendez. Ouais, c'est bon, on peut. Ils veulent pas prendre le lead plutôt? Tu connais DJ Case? Ouais, je connais, ouais. Elle est incroyable, mais... Eh, ils veulent pas prendre le lead en vrai parce qu'en fait, ils anticipent pas assez, tu vois. Ils anticipent pas assez. Ouais, t'en es où là? Anticipez à sa surface. Essayez d'anticiper un peu plus. Il y a deux sorties. Trois. Ouais, t'en es où là, gros? On prend la sortie de la droite. Ouais. Trop fort. Bloquez-le 54. Non, mais ça met 4 heures à tourner, bordel. Vas-y. On vous dit. Il est bloqué. Les gars, mais 4 heures okay, à tourner et à reculer la voiture. Ouais, vous l'avez. Mais ah, oh, mais comment c'est lent, frère. Il refait chemin inverse, non négatif. Attends, regarde, vas-y, roule. Bloquez-le en face, Avance. Négatif, il retourne à gauche. Retourne. Eh, c'est une diesel le truc. Il va ressortir à l'ancienne sortie que vous avez pris, la toute première. Ça arrive à toucher. Oh, c'est incroyable, quoi. Il est sorti. On l'a. Okay. Putain, on l'avait! Que je kiffe pas trop! Et le moment! Eh, on l'avait, je suis trop deg, on y était presque! Ouais, de fou! Hein. Si tu serais reculé genre 2 secondes, c'est ouais, vrai. Je sais, mais la caisse elle a mis grave du temps à déraper! Ouais. Ok, les gars, on peut le faire! C'est pas ma cas. On peut le faire, les refs! Je vais l'arrêter! Là, je lui colle aux fesses! Par contre là je commence à plus voir grand chose. Ok, alright. Let's go bro. Les docs ça me connaît. Chuch. Je suis un enfant de la punk. Par contre les gars de format. Merci ça va pas faire un peu long ça. Eh moi tu sais que j'ai deux formats en... Oh, 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 ouais. 10... Ouais, attendez, oh 10-50 avec les individus. Il part à pied. Il part en foot. Vas-y, poursuis-le. Et tu m'as blâmé, mais tu m'as fait mal à la pied. Yeah.
Il remonte dans son véhicule. Il a pris. Vas-y, pars, pars, pars. Enfin, gauche, gauche, gauche. Gauche. Il est où, frère? Il est où, wesh? Il a pris une... Il a pris une cruiser électrique, hein. Ça vous dit. On l'a, il est en face de nous. Ah, mais les gars, c'est moi qui est nul, en fait, là, c'est là, pas possible. Là, on va donner l'abandonné véhicule au niveau du GoBostal, là. Je t'ai fait un, 30... je t'ai fait un code... Un code 5. Ouais, c'est moi, je suis éclaté au sol, les gars, wesh. C'est pas possible, là. L'individu est rentré dans le hangar du post-op. Je ne vois pas d'autre solution. Quelqu'un a un bandage, s'il vous plaît? Donc t'as un bandage, tu m'as blessé, enfin, Non, j'ai pas mon sous. Il est en face, il est en face, tu l'as vu. Il est là, En face, tout en face. Ok, on échange les pilotes, là. Tu sais qu'il y a des trucs, là, qui me cassent la tête. Tu vois les codes radio? Ouais. Je dis 10-35, je dis 56, ouais, moi aussi. Ça me rend fou. Moi aussi. Je veux 10-10 et tout. Madame 95, vous suivez? Je dis 10-10, moi, quand je fais ma fin de service. Madame 50, moi aussi. Ok, cette fois, essaie d'anticiper, toi. Laisse-les partir devant. Anticipe, essaie de bien le bloquer vite fait et après c'est bouclé. Nous sommes en 1070 derrière une Primo bleue occupée une fois au niveau du post-op. Affirmatif, besoin d'unité de renfort ou pas sur la course-poursuite? Restez en attente, je vous ferai un code 5 d'ici un instant. Bien reçu. T'inquiète, t'inquiète. Après 10 heures de lab, y'a pas de day-off, ça tu me surprends, Gamingo. Il truc radio, tout bête. Ça tiendrait qu'à moi aussi, là, les gars, je pourrais live encore très tard, là, jusqu'à pas d'heure, mais je peux pas... Ok, bien pris, on arrive. Je peux pas parce que... Parce qu'il faut qu'on fasse des trucs sur YouTube, genre. Attends, non, c'est pas lui. C'est elle ? Non, c'est pas lui. On est au niveau des bateaux, au niveau des conteneurs. Là, va tout droit, tout droit. Ouais, je vais aller là. Là. Là, il doit être vers la gauche, je pense. Entre les conteneurs et les bateaux. Ok, prends à droite. Tu vois quelque chose? Non. Vas-y, prends à gauche, tu tournes jusqu'à ce qu'on va tomber. Affirmatif, continue vos codes jusqu'à ce qu'on a le visuel de l'individu. Pour le moment, on l'a perdu de vue entre les conteneurs. Affirmatif, on vous voit, on va essayer d'entamer les recherches. Ouais, après ça vient entre les conteneurs parce que Flag il s'est caché là-bas. Là, ils ont tenu 30 secondes, les collègues. On a tenu. Comme quoi, quand c'est pas Bibi qui conduit, hein. Attends, je dois écouter de la fin, tu pourras savoir. La dame avec nous, vous avez un visu? Négatif. On cherche le nord, mais. Vas-y, va voir au truc postal là, il le connaissant, il a dû se planquer à l'intérieur. Ouais, on va se vérifier au niveau du postal. 14. Je suis dans la boîte. Je suis dans la boîte. Il y a des sons que je kiffe pas trop, mais je reste dans l'ambiance. À la base, la funk, c'est pas ma com, j'ai eu le moment. Non. Tout le monde est dans ça. Ouais, mais c'est incroyable ici, par contre, c'est quoi? Après, c'est un truc d'import-export pour tout ce qui est chinois, etc. Jusqu'au bout de la night. C'est incroyable, hein. Ah, c'est trop stylé. Par contre, c'est normal qu'on passe au milieu en voiture comme ça là. Et que tu exploses toutes les palettes. C'est rien. Ok, bon bah c'est rien. Faire des individus, rien sur le go postal. On va faire un 10 au retour PDP. 10-18. Ah merde, ouais, 18. On a retrouvé un individu. Ah, on l'a retrouvé, on est au niveau des... Il est au niveau du hangar, je vais vous entamer les... Je vais commencer à faire les 10-20 en attendant que vous puissiez reprendre le lead. Alors on va redirection nord, on prend la direction des bâtons, direction nord à la sortie des paquebots. Là on est au niveau de l'autoroute du barrage, de l'autoroute en rente, je vais vous effectuer un petit 10-20. Ok, vous avez le visu, parfait. On le voit, on va reprendre le lead à tout moment. Affirmatif, vous allez reprendre le lead dès que vous pouvez, nous on va essayer d'anticiper pour le bloquer. 10-4. On prend à gauche, essayez de couper là, essayez de couper court. Négatif, il prend tout droit, il va prendre à droite. Essayez d'anticiper, voilà, il est devant vous. Vous reprenez le lead. Oh, il prend rien du tout. On continue à regarder le lead, essayez de revenir à notre hauteur. Ok, il prend à droite, direction est.
Il prend direction gauche, il revient au niveau des bateaux. Sur les conteneurs. Il vient, il s'arrête. Attention, il s'arrête, il va sûrement partir en foot. Il part en foot. Il part, je suis blessé, gros. Il part en foot sur ce 10-20. À gauche, gauche, gauche. Vas-y, je suis de côté. Dites-le. Ouais, vas-y, vas-y. Il remonte dans le véhicule, je l'entends. Ok, bah vas-y, je reviens chercher vite. Reviens me chercher au niveau de l'individu, go, 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 go. Du coup, l'individu, il est au niveau des bateaux au nord-est des paquebots. Reprenez le lead affirmatif. Ça, c'est une vraie format, ça. Messieurs, gardez le lead, on va essayer d'anticiper ces trajectoires. 10-4. Avance tout droit, avance tout droit, avance tout droit. Ah, tout, vite, 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 vite. Il repart en Yvon. Vas-y, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il fait le tour anticipé. Et là, vas-y, bloque-le ici. Bloque. C'est trop large pour jouer. Ouais, c'était trop large. Reprenez le lead, messieurs, accélérez. Droite, vas-y, je vais droite. Mais gros, il faut que le perde. Il l'a viré, la gauche. Ils sont éclatés au sol, les cons. Il fait le tour des conteneurs encore une fois. Mais il est là. Il est là, juste là. Bloquez-le en face. Ah bah, il est bloqué. Ah, il est là, wesh. Ok, arrêtez-le. On l'a bloqué. Sortez. Il est dans le coffre. Ah, la speedy, les mains en évidence, monsieur, plus un geste. Ok, parfait, nickel. Ah si, c'est bon, il est là. Ça pue. Lola. Ouais, salut. Ça pue. Camille. Monte dans la coachie. Putain. Monte dans la coachie, allez, viens. Non, c'est j'ai parfait. Ma... Oh merde. Allez. Stop Ragnar. Putain. Non. Oh. Me faites pas de mal. Monsieur. Pourquoi j'entends plus? La minute de silence, tu vois. Oh, c'est normal la minute de silence là. C'est normal. S'il vous plaît, laissez-moi récupérer mon vélo. Non. Oh, c'est la merde, frère. Oh, c'est le moment d'appeler tout le attends, monde. Attends, le préfet, il pense à sa bêtise, tu vois. Là, c'est le moment d'appeler tout le monde, les frères. C'est bien fait. Suite je à son casse les couilles, sérieux. Eh, vas-y, voilà, je la fais plus votre scène la prochaine fois, frère. Ça y est, frère, c'est un truc de ouf. Je me fais PO si je casse les couilles. Gros, vas-y, la prochaine fois, je vais à la format direct. Ça y est, frère. J'ai voulu faire le mec comme moi, je vais faire la scène et tout, frère. Je vous casse les couilles. Oh, c'est bon, frère. Oh, c'est bon, gros. C'est bon, là, je suis aigri. Je suis titillé. Mais qu'est-ce que j'ai fait, monsieur? Mourir, vraiment? Ce n'est pas ce que tu as fait, Hermano. C'est ce que tu représentes qui m'intéresse. Comment ça? Tu verras. Tu es invité dans une grande fête. Sois heureux d'être là. Sérieux? Femme, il y a des nanas, il y a de l'alcool. Du alcool. Bon. Oh, enfoiré. Il y a même des potes. Oh, bah là, c'est cramé là. Attends, j'ai dit qu'il y a une surprise. What? Qu'est-ce qui se passe là? Descends et ferme là. Panique pas, mon grand. Panique pas, si tu veux pas qu'on tire dans les gens. Déjà, panique pas. Il veut te fouiller, hein. Panique pas, je vais niquer ta mère. Panique pas. Fais paniquer là. Qui c'est qui m'a mis dans le coffre? Panique pas, ne panique pas. Ça n'a jamais aidé, c'est pas en demandant directement devant des caméras. Oh là là. On va voir quoi que ce soit de leur part. C'est quoi ça, cette montre de malade? Non, s'il te plaît, pas ma montre de luxe en or en massif. Oh putain. Gracias, je vais me mettre. Deux secondes. Lève tes mains, j'ai pas terminé. Il y a un truc que j'ai perdu qui m'intéresse. Viens pas là, toi, mon cœur. Je l'avais perdu. Allez, viens. Il y a tout cas, il veut te parler, chéfé. Il est où? Il est juste là. Il m'a pris mon permis de conduire. À genoux. Bon, bah, salut, hein. On dirait que je suis le plus 1. Déjà, enlève ta casquette, déjà. Enlève ta casquette, tes lunettes de soleil, je t'enlève tout, là. Parce que tu fais trop le malin, je vais te gifler. S'il te plaît, monsieur, pas la casquette, je me suis fait raser la tête, y'a pas longtemps. Enlève-la, voilà, tu as passé à la télé. Oh là là, t'es vilain. Pose-toi. T'es moche. L'agent de la Guardia, là. J'arrive, monsieur. Putain, il est dans chaque embrouille de merde, celui-ci. Mais présente-toi devant la télé, par favor. Bonjour, je m'appelle 54. Attends que le micro soit bien devant ton... Voilà. Présentez-vous, monsieur. Bonjour, je m'appelle 54, agent 54. Du coup, je suis immatricule 54 au LSPD. 54.
Mon nom c'est Kyle Anderson et en fait on m'a appelé ici pour de base il y avait un rendez-vous et je sais pas, j'ai pas compris qu'est-ce qui se passe ici, je sais pas du tout ce qui se passe. Traquenard. C'est un traquenard de ce que j'ai compris. Traquenard. C'est un malentendu. Vous êtes dans un traquenard. Hein. Je suis dans un traquenard. Quoi? Vous avez dit quoi? Tout à fait, tout à fait. Mais madame, ne oh. Vous avez dit quoi madame? Bordel de merde. Oh pardon, excusez-moi. Comment ça sacrifice? Monsieur 54, allez vous mettre derrière avec les autres, par favor. Tu es la cerise sur le gâteau. Quoi? Non, je suis quoi, moi? Sacrifice. Voilà, señora, comme je vous disais. Nous n'avons pas peur de la guardia et encore moins des autres gangs. On vous le montre ce soir encore une fois. Et ce soir, un des quatre va mourir, malheureusement. Oh putain, j'espère c'est comme ça. Logiquement, j'ai une chance sur quatre. Le petit dilemme du prisonnier. J'ai une question. Sur quoi vous allez choisir celui qui mérite le plus de mourir? Ah, le sacrifice, madame. C'est pour notre Dieu. Tout à fait, oh, surtout ceux qui vont choisir. C'est ma lame qui va décider. D'accord, donc c'est instinctif, c'est comme une voix qui vient du fond des tripes. C'est justement, dire, madame, lui, c'est je vais pas l'égorger, instinctif. Je vais boire son sang, en gros. En général, le plus faible, en général. Oui, généralement, c'est comme ça que ça. Ouf, ça va, je suis à l'aise, moi, alors. Très bien. Bon. Vous allez exécuter quelqu'un? Tout à fait, tout à fait. T'es culotté, mon gars. Putain, t'as vu ça, c'est incroyable. Si vous voulez, je peux vous expliquer comment marche le sacrifice. Nous attachons la personne et je pratique des... Je vais me faire sortir, je vais me faire niquer par les malades. Des petites entailles sur les bras et sur les jambes pour que ça saigne énormément jusqu'à ce que la personne décède de ses saignements. C'est ultra barbare ce que vous faites. Hein. Attendez, les marins à remonter. Ouais. On va devoir arrêter là, dépêchez-vous. Vamos, dépêchez-vous. T'as pas vu la guardia calvaire? On a le coffre, le bon génial. J'arrive, madame, monsieur. Bonne chance, 54, bonne chance, on en sort. Ah, mais aidez-moi la presse là, vous êtes des ouf! Qu'est-ce que j'ai fait? Cállate la boca, por favor. Et toi, genou. Qu'est-ce que j'ai fait, frère? Voilà, t'avais dit que ça allait être temps. Voilà, je comprends. Plein. Tranquilo, et toi, hermano, je suis assez occupé là, je vais me fumer un flic, qu'est pas ça? Quoi? T'as dit à genoux, Non, non, c'est. Nous venons pas faire l'exécution à la télé. Ça marche, perfecto, gracias por vous. Pleure pas. Arrête de pleurer. Reste digne. Fais honneur à Dieu, moi, que tu meurs. Lève le menton, bombe le torse. Lève la tête. J'ai crevé. Sois digne. De quoi? Dans la vie comme dans la mort. Je sais, mais j'arrive pas de m'empêcher de chialer. J'ai même pas trempé la biscotte. Escucha, mais j'en ai rien à foutre de tes conneries. Arrêtez de jouer avec l'oiseau. Oh. Mais non, mais... Le pauvre. Escucha, mais... Tu sais pourquoi t'es là ou pas? Non, je sais pas, monsieur. Écoute, là c'est une prise d'otage. Nous avons des hermanos à nous enfermés en prison. Tu vas appeler la guardia, là. Tu vas prendre toute ta radio. Tu vas dire qu'ils viennent à la position. Là. Ok. Tu vas dire qu'ils viennent à la position et qu'on va faire un échange d'otages entre notre hermano en prison et toi. Tu dis qu'ils se bougent. Hein. Dans les 5 minutes, ils viennent pas, on te canne. En gros, j'appelle la police pour leur demander de sortir un de vos amis. C'est ça? Non, tu leur demandes d'abord de venir à Eulienne, par favor. Heureux quoi? Je leur demande de venir ici. Ok. Éolienne. Ok, je vais faire ça. T'inquiète. Autorisation de prendre mon iPhone number? Ouais, vas-y. Ok, thank you. Dis-lui dans... Ah oui, le cas de Paul. Attention, je te... Tu joues à Candy Crush? Yeah. Non. À la plage. Marquez ta Candy Crush sur le téléphone, t'as pas honte? Ah, école, le spirit. Candy Crush. C'est tellement mieux que cette merde. Allô? Allô, ici Kyle Anderson, matricule 54. Actuellement, je suis détenu en otage au niveau des éoliennes. D'accord. Ils ont des revendications, à savoir... Ils ont des revendications, à savoir ramener avec vous, lors de votre venue aux éoliennes, un des leurs. Mais t'es con quoi? C'est quoi cette phrase? C'est l'heure qui vient aux éoliennes qu'on va faire un échange d'otages. Venez aux éoliennes, on va faire un échange d'otages. C'est les mots. D'accord. C'est les mots. Mots pour mots. Ok, pas de problème, on arrive. Est-ce que vous avez besoin de la position, mon capitaine? Éolienne si. Non, on va se mettre en position, SMS, on va dire aux éoliennes, on va tirer sur la guardia. C'est bien, mon numéro. C'est là, toi. Ça marche, mon beau. Merci, vous inquiétez pas, on arrive. Capitaine. Ok, merci beaucoup. Je garde mon sang-froid, ça ira. Pas de problème, vous inquiétez pas. Bouge pas, mets-toi à genoux. Ils m'ont demandé de leur envoyer la position, je le fais? Vas-y, envoie la position. Z.
54, prise d'otage. Pris en otage. C'est bon. Ouais, ouais, t'inquiète. La position est envoyée. La position est envoyée. Vas-y, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ah, 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 dépêche-toi. Ah, 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 dépêche-toi. Ah, ah ouais, mais je le fais là. Là, je le fais là. Eh, hey, je prends ton téléphone, ta radio. Ah, ah. Panneau, on se met en bas de la pente. On tire sur les voitures quand ils montent. Quoi? J'ai pas capté là les gars, j'ai été touché par balle ou pas? J'ai été touché par balle? Non, il a tiré à côté, bah ouais. Non, c'est juste pour te faire peur, ok. Il faut vite que je rappelle la police. Vite, 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 vite. Incroyable. Capitaine, est-ce transmettez 50, 54 aux autres unités, dites-moi, ils sont en train de partir. Dites-moi. Ils sont en train de partir tout de suite, ils ont tiré au sol. Quelle direction? Les Aztecas, ils sont en train de redescendre. D'accord, c'est bien pris, je vous dis ça tout de suite. Merci 54. Hein. Au revoir. Montez vite 54, merci. Vous allez bien? Je me raconte. Ça va, ça va, ça va aller, ça va, ça va, ça va. Ça va, attendez, attendez. On a l'hôpital ou ça va aller? Ouais, ça va aller, ça va aller. Attendez, vous pouvez aller à gauche? J'avais appelé mes amis là, à gauche. À gauche, gauche. Ok. Là, c'est eux, juste leur dire. Ouais, ouais. Juste leur dire c'est bon, je suis là. Oh, waouh, waouh, waouh! Je vais me frapper. Oh! Ouais! Ouais, ouais c'est ouais. Bon, c'est bon, le capitaine il m'a récupéré. Merci Gandolf. Bien joué, capitaine. Je t'explique. Non, mais c'est bon, t'inquiète, t'inquiète, Gandolf, t'inquiète, t'inquiète. Je vois Yaki au moins là, t'inquiète. Merci Gandolf. Vas-y. Vas-y. Ouh, capitaine, faut que je vous explique ce qui vient de se passer là. Oui, je me suis calmement. Je me suis retrouvé dans un endroit avec beaucoup, beaucoup d'Aztecas, ok? Ok. Énormément d'Aztecas. Il y avait au sol trois marabuntas et la presse, ouais. C'est le Weasel News. Ils étaient ouais. En train de parler de sacrifice, qu'ils allaient tuer une des quatre personnes ici présentes. Moi y ouais. Compris. Attendez, attendez, d'ici se trompe pas. Ouais, continuez. Ils m'ont demandé de me présenter au Weasel News, etc. Ensuite, ils m'ont ramené en haut des éoliennes, ils m'ont tapé, enfin ils m'ont menacé, etc. Et ils m'ont dit de sortir un de leurs amis de prison en guise de monnaie d'échange. Ouais. Une fois que j'ai fait le call, j'ai transmis l'appel. Ils m'ont laissé, au sol et ils se sont barrés. Si on a chopé 4, si on vous les montre, vous serez capable d'identifier ou pas? Il y en a beaucoup qui étaient masqués. Je sais qu'il y en avait okay. Un seul qui était démasqué. Ah, ils étaient en cortège de véhicules bleus. C'est ça, ouais, un gros convoi. Ah, ouais. C'est sûr, c'est. Okay. Bon, on va quand même faire les petits trucs. On va leur remettre les masques qu'ils avaient, d'accord? Comme ça, au moins. Ils n'ont pas changé de vêtements depuis, hein, donc je pense qu'ils allaient réussir à identifier, mais je pense qu'il n'y a pas. Ça est, les gars, Gandalf, vrai frère, les autres donc, frères, ça est. Ce qu'on va faire, c'est que. C'est une prise d'otage, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, je me suis fait un peu prendre en otage. Bon. Ils vous ont pas fait de mal, on est d'accord. Non, hein. Non, ça va, plus de peur que de mal. Bon. Et donc, ils m'ont tiré dessus, mais. Enfin, ils m'ont tiré à côté de moi. Mais c'est. Ouais, ça... intimidation. Ouais, intimidation. Bon, ils prendront pas très très cher, je vais pas vous mentir, parce que. Non, mais c'est mais pas. Ils vont prendre quelque chose, quoi. C'est pas grave. Moi, le plus important, c'est que je sois sain et sauf. Le problème, non, c'est mon commandant, c'est que non, j'avais. Non. C'est le plus important, c'est un cas, c'est que justice soit faite. Ouais, bien sûr. Le problème, commandant, c'est que j'avais à 23h, j'avais ma formation. À Palais c'est tout. Pas grave pour ça. Ok. On serait excusé. Donc, juste, il faudra qu'on me fasse un petit rapport de ce qui s'est passé, d'accord, par écrit. Et vous okay. M'enverrez par mail, ok ferai... Ou sinon, je le fais donc, directement où... sur le panel, non? Non, parce qu'après je vais regrouper tout ça dans un gros okay. Rapport que j'enverrai. Ok, ok, ça marche. Donc vous le faites et vous l'envoyez à moi, je vais m'en occuper moi cette affaire vu que c'est moi qui parle en premier. Allez, venez avec moi, je vais vous mettre en salle de miroir. Marche. Allô? Allô? Ouais, c'est Samis, qui là? Ah non, je suis avec le commandant, je me suis fait prendre en otage et tout. Ok, c'est qui? C'est Brian? Sans, je vais gérer avec 83. Non, c'est ton futur beau-père. Quoi? Allez, c'est Brian, trou de balle. Attends Brian, je te rappelle là, je viens de me faire prendre en otage et tout, je suis avec le commandant. Là t'es pris en otage là. Ouais, non, je suis avec le commandant là, je suis au PDP en bas. Le commandant il t'a pris en otage en bas. Oh putain, t'es complètement bourré Brian. Bisous, je te laisse, je suis en bas. J'arrive. Au parking. Ils sont où les individus? Alors 83, venez s'il vous plaît. Au fond là, vous allez au fond à la porte 854. Je crois qu'il y avait que Aenote les gars qui étaient Oh c'est trop stylé par contre. Je crois les gars, on est d'accord, il y avait que Aenote qui était démasqué.
je vois déjà son crâne ici. Il s'est fait flipper. Ah, ça y est, frère, tout cela là, ça y est fini, frère. Mur là. On se met contre le petit mur. Tiens, remettez les masques que vous avez, s'il vous plaît. Un beau petit sourire, s'il vous plaît. Vous avez des masques là quand on les a chopés. Et on bouge pas. Non, l'autre côté, mais monsieur, c'est pas con. Voilà, c'est lui. Faites les rentrer. Oui, vous aussi, oui. Attends, what? Pas de masque. Vous avez pas de masque? Qui c'est celui-là? Comme 4. Ouais. Très bien. Ah. Est-ce qu'il y a un Arturo dans l'eau? Je crois. Ok. Arturo, il est dedans. Est-ce que c'est le chauve avec le bandeau maintenant? Je vais chier, voir si je me reconnais, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. 54, vous chuchotez, d'accord? Ouais, bien sûr. Dites-moi. Bon. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Alors, alors, en fait, il faudrait celui à droite. Quel je crois qu'avant qu'il mette son masque, j'ai cru le reconnaître. Et ouais. S'il s'appelle Arturo, c'est bien lui. Arturo? C'est à droite, Arturo. Tout à droite. Ouais, tout à droite, si son nom lui, c'est... Lui, c'est lui, derrière, qui nique ta mère, moi. Oula. Pardon? Oui, ça vous dit quelque chose? Ouais, 100%. Lui, 100% clairement identifiable. Les restes, malheureusement, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ok, bon après vous savez, ils ont tous été un peu ensemble. Ah, t'inquiète pas, s'il y en a qui bougent, le bras est couvert. Donc dites-moi là, le mec il s'appelle pas Arturo par contre. Ah. Il est tatouage. Merde. Donc, mais de toute façon, ils ont tous été attrapés ensemble. Dans ma droite, là, en gros, moi je communiquais avec un certain Arturo. C'est des chiens. La personne à droite. Tu dépasses du cadre. Vous savez, on va faire un truc. 05. 4. Vous allez dire à Arturo de lever les bras, s'il vous plaît. Viens, viens à ma droite. Tu fais quoi, enculé, va. Oh, vous vous calmez maintenant, commandant. Excusez-nous. Oui. Je peux vous donner son numéro. Il a également pris mon permis de conduire. Pas d'Arturo. Je peux vous donner son numéro. S'il répond, c'est Arturo. Il vous a pris votre permis. Oui. Relité notre numéro. Également, et affirmatif, m'a également pris mon permis. Attends, vous avez quoi? Vous avez l'appel numéro. Ça marche. 05. Allez chercher leur téléphone, je crois qu'il vous le rendez personne, c'est vous. Et vous leur dites de le mettre en opération. Question. Oui, tu vois. Pourquoi j'ai 99 qui m'appelle et qui me dit que je devrais trouver mon cadavre? Moi j'ai dans ta parole. Attends, je vais appuyer sur le micro. Je devrais quoi? Bande des guignols, vous êtes tous retournés contre le mur, sinon je vous matraquais la gueule, y'a plus de que ça. Attends, que ça ne bouge pas. On a fait quelque chose, mais on ne reconnaît pas. Innocent, innocent, c'est parce que... Caméra, capitaine, rappelez-moi là, deux. Wow. Eh, regarde mon cul, enculé. Vous êtes de la chance. Non. Non, je l'ai plus. Vous avez appelé 54? En fait, je me rappelle qu'il y avait un 120 dedans. Putain, mais quand je regarde dans mon historique, je le trouve plus. Ils vous ont volé votre permis. Putain, ouais, ils m'ont également volé mon permis. On a des masques. S'il y en a un qui a son permis sur Lewis Anderson sur lui, bah. Ah, j'ai compris, vous voulez prendre une photo en mode. Je suis pas sûr. Est-ce qu'on remet là? Est-ce qu'on pourra avoir le numéro de la personne en chauve? Droit à la parole. Ah, lequel? Putain, je suis pas sûr. Oh non, j'ai un chat qui vient de m'appeler et qui m'a dit que je devrais retrouver le cadavre de 54. Qui ça? Qui vous a appelé? 99, voilà, Daryl. Ah oui, il était à la presse, il y était, ouais, je vais expliquer, j'ai expliqué au commandant. Ah, on m'a déjà fouillé, on m'a tripoté, mais. 83, demandez le numéro au monsieur en short, au milieu, à Cortez, Sonio. S'il y a 120 dedans, il y a moyen que ce soit ce soir tout. Oh, je pote mon numéro. Vous reprenez, s'il vous plaît. Attendez, je connais pas par cœur. 47, 18, 29. Non, je suis là, chez moi. On va l'appeler, il faut qu'il. Permis. Les deux à droite, ils n'ont pas le permis. Quel permis? Putain. Permis. Oh, le fils de pute, fils de pute, vas-tu calmer, maman. Merci à Kess. Tu nous tapes en forêt. Dans le dos, tu nous tapes de dos, fils de pute. J'ai oublié la fin, les gars. Voilà, reste à terre. Rentre pas. C'est juste qu'il y avait 120 et qu'il m'avait pris mon permis. Oh, ensuite, bon, il fait quoi? Ouais, c'est tout, je crois. Il nous a tapé. Et qui se dénommait Arthur. On a fait que se défendre. Il y a plus l'historique. On a fait que se défendre. Quoi ça? Vas-y, mon de dos, il nous a frappé. Bande de vendus. Toujours les bavures. Contre les murs. Toujours. Les médecins. Coupable. Eh ouais.
Non mais les gars, même si vous m'envoyez le numéro, en fait, RP parlant, je m'en souviens plus, tu vois. Enlevez-moi, ça, c'est bon. Toi, là... Bon, le short. En vrai, avec le short, t'as le permis, toi, comment tu t'appelles? On s'en fout, le... Sueño Cortés, hermano. Oui, Sueño, Sueño, ton numéro, tu m'as dit, c'était quoi? 42-52-72, pourquoi? C'est bizarre, il a changé, tout à l'heure, c'était avec un 47. Non, 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 ça, c'est ce que t'as entendu. Non, non, t'as dit 47-18. J'ai le numéro de Sueño, attendez. Attendez, attendez. Attendez, plus simple. Les gars, la montre de luxe, ça peut, on peut pas, on peut pas. Pourquoi tu vas m'appeler? Pour donner que... Il peut avoir une montre de luxe au calme. Moi, je t'appelle le 27. Attendez, mais je suis mort, ça, je crois. Je crois même qu'il la porte actuellement, les gars. Il menace des agents, Sonio. Je menace des agents. Ouais. Arrêtez, arrêtez, les gars, la chère. 12-08-74. Tu m'as dit quoi? 27. Il est en train de porter la montre au calme. S'il est retenu. Non, mais capitaine, il avait le permis de calme. Ok, c'est bon. Allez, on a ce qu'il nous faut. Let's go. Notez tous les noms là. Vous envoyez tout ça par. Prenez toutes les cartes d'identité. Vous envoyez tout ça. Et puis on verra tout le reste. Très bien. D'où Jésus, je pense qu'il y a mépris. 120 174. C'est bon, les gars, il s'est fait niquer. Dans les règles de l'art, du fair play. Juste avec ce qu'on se rappelle en RP, y'a rien. Santu, G, c'est bon. C'est bon, c'est bon, les gars. Pas besoin de. De je sais pas quoi, de il s'est fait niquer dans les règles de l'art, fair play. 54, maintenant. Carlos, vous l'avez Zépir. Et il a besoin d'aide, il a besoin d'aide. Le problème avec le téléphone du refait, là. Merci. Ah, merci Rodriguez. Beaucoup. Ils avaient mon permis, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, écoutez, Kyle, il se trouve que le monsieur, il avait votre permis sur vous. Ok. Le numéro correspond, d'accord? C'est quoi le numéro, déjà? Mais que je vous le dise, c'est... 120-864. Ouais, c'est ça, c'est ça. Allô? C'est mon marbre la gueule. On est en cellule, je vais vous le libérer, vous inquiétez pas. D'ailleurs, si vous pouvez aussi lui passer. Lui, parce que j'ai vu en le regardant, il avait sur son poignet ma montre de luxe qui m'a prise juste avant. Ça serait cool aussi si je peux la récupérer. Et c'est celui qui avait son permis sur moi, du coup? Ouais. Bon, de toute façon, on va tous les convoquer en. Après les autres. D'accord. Ah ouais, voilà, après les autres j'en sais rien, mais ce qui est sûr c'est que Arturo, la personne avec le numéro, ouais, lui il y était. 54, vous me faites le rapport dans la soirée, d'accord? Ok, ça marche, je vous fais ça.